Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire qui est présenté par la Cité de la RSE et de l'Impact. Pour info, ce webinaire s'inscrit dans une programmation plus générale d'un certain nombre de médias, des émissions, des interviews, des webinaires, des podcasts qui sont initiés par la Fondation OICOS, qui est à l'origine de la création de notre structure. Je suis Nathalie Delabroix, je suis consultante OICOS Impact en stratégie RSE. Qu'est-ce que c'est OICOS Impact? C'est un programme d'accompagnement à la RSE pour tous les acteurs économiques qui permet en fait une mise en relation avec des experts. Anne-Élodie en est une, par exemple. Pour info également, ce programme est collaboratif et digital. Quelques petites infos concernant l'organisation de ce webinaire. Il est enregistré, il sera donc disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Elle s'appelle Rémi Demersemann, vous devez voir le nom qui s'affiche. Sinon, à partir de notre site, citédelarse.fr, dans l'onglet « Médias », citédelarse.fr, Impact RSE, mais c'est facile d'accès sur notre site. Les liens pourraient être envoyés avec le support si Anne-Élodie trouve judicieux de vous l'envoyer, mais je la laisserai s'exprimer. Donc, notre expert du jour, c'est Anne-Élodie. Donc, je vais la laisser se présenter. Le webinaire va durer maximum une heure pour bien cadrer. En fait, si vous avez des questions, je vous invite à les noter sur le chat et on les abordera une à une à la fin du webinaire pour que Anne-Élodie puisse rester concentrée sur sa présentation. Voilà. Qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans le mécénat et le bénévolat de compétences. Donc, en gros, moi, je me définis comme une facilitatrice d'engagement pour le monde associatif et le monde de l'entreprise. Mon parcours a fait que aujourd'hui je pense que j'ai trouvé ma voie dans le secteur caritatif et c'est vrai que je me verrais pas aller maintenant forcément dans une autre voie en tout cas parce que voilà, comme vous pouvez lire sur ma fiche de description, mon dada voilà c'est d'allier le travail et le sens au quotidien de faire un métier qui peut apporter aussi à d'autres personnes ou à des enjeux sociaux, environnementaux. C'est vraiment hyper épanouissant. Donc voilà pour ma petite description. Revenons-en à l'engagement Simone. L'engagement Simone, pour l'histoire, a été fondé, créé en 2017 à Roubaix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le statut d'entreprise, une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc avec un objectif, un impact positif sur le territoire. Donc nous, notre ambition, c'est de susciter l'engagement des entreprises et de leurs salariés auprès d'acteurs sociaux locaux grâce au mécénat de compétences. Donc nous, on agit exclusivement dans ce champ-là. Donc vous avez le soutien aux entreprises, des entreprises à l'intérêt général, on appelle ça le mécénat. Vous avez trois formes de mécénat: mécénat financier, le mécénat en nature et le mécénat de compétences. Donc nous, vraiment, notre métier, c'est le mécénat de compétences qui, après, peut aboutir à d'autres projets autour du mécénat en nature ou du mécénat financier entre l'entreprise et l'association avec lesquelles on a travaillé sur des mécénats de compétences. Mais nous, à l'origine, c'est vraiment notre métier, c'est le mécénat de compétences. Voilà, on est convaincus que les collaborateurs engagés pour la société sont le ciment des entreprises durables de demain. Bon, pour la petite histoire, le mécénat de compétences, avant de travailler à l'engagement Simone, je le connaissais. J'avais eu l'occasion de le pratiquer dans mon ancien job. Et c'est vrai que moi, ça a été c'est des super souvenirs que j'en avais gardés. C'était des moments d'épanouissement perso et pro. Donc, avant de prendre les rênes de l'engagement Simone, j'étais déjà convaincue par les bienfaits du mécénat de compétences.
Donc, en fait, notre métier à l'engagement Simone, c'est qu'on crée et met en place des missions de mécénat et de bénévolat de compétences sur mesure et clé en main. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le monde de l'entreprise et le monde de l'associatif de A à Z. Donc, de la réflexion sur le programme d'engagement à sa mise en place. Pour le côté sur mesure, c'est-à-dire qu'on propose des projets qui sont en phase avec les objectifs de l'entreprise, voilà, au niveau RH, RSE, en phase aussi avec les valeurs de l'entreprise, l'organisation de l'entreprise également et les envies des collaborateurs. Et ces projets, voilà, vont répondre à des besoins, associatifs. Donc là, on fait matcher des attentes d'entreprise avec des besoins associatifs. Et ça, c'est pour le côté sur mesure. C'est vrai qu'il y a des projets qu'on présente à des entreprises parce qu'elles font sens avec leur métier, avec leur territoire, avec voilà, leurs collaborateurs ou ce qu'ils ont envie de créer au niveau RH aussi, par exemple. L'objectif, c'est que ce soit du gagnant-gagnant, que ce soit gagnant pour l'entreprise, que ce soit gagnant pour le bénéficiaire. Une fois qu'on a trouvé voilà, le projet qui matche bien entre l'association et l'entreprise. Nous, on va être là pour s'occuper de tout l'accompagnement, toute l'organisation, toute la logistique. C'est pour ça qu'on dit du clé en main. C'est-à-dire que c'est vrai que une fois qu'on a le projet, après, il faut le mettre en place. Donc, il faut mobiliser des collaborateurs au sein de l'entreprise. Il faut aussi tout organiser avec l'association pour que les collaborateurs arrivent en mission et que tout ait été réfléchi, programmé au niveau du timing, au niveau du matériel, au niveau des objectifs, au niveau de l'animation aussi. Enfin, l'engagement Simone, nous, notre rôle, c'est aussi que voilà, les missions, à la fin des missions, on ait atteint notre objectif et que tout ait été fluide, en fait. D'où le facilitateur d'engagement. Donc, on accompagne vraiment l'entreprise et l'asso pour que ça se mette en place, pour qu'on atteigne les objectifs et que, voilà, on aboutisse à du gagnant-gagnant. Donc, les plus-values, voilà, c'est un mot qui revient beaucoup, hein. Ça apporte quoi? Ça apporte en fait beaucoup de choses, hein. Ça apporte aux collaborateurs qui vont être volontaires sur les projets de mécénat de compétences. Ça apporte aussi à l'entreprise. Donc voilà, ça apporte au niveau RH, RSE, par rapport à l'ancrage local, etc. Ça apporte évidemment aux acteurs sociaux. Donc là, on vous a listé quelques plus-values, en fait, qu'on a observées. Alors, il y a trois petits points à chaque fois, parce que voilà, c'est une liste qui peut être beaucoup plus importante, en fait. Et c'est de là qu'est née aussi l'idée de notre livre blanc. Donc là, en fait, en gros, je vais vous restituer le livre blanc, mais sachez qu'il est téléchargeable sur notre site internet. Je vous communiquerai à la fin du webinaire le lien pour aller le télécharger. Donc voilà, comme vous voyez, Il y a beaucoup de bénéfices, beaucoup d'acteurs. Et donc, on s'est dit, voilà, c'est intéressant aussi de construire un document pour justement montrer tous les bienfaits qu'un projet de mécénat de compétences peut apporter aux personnes voilà, qui s'impliquent. Et puis aussi, voilà, le mécénat de compétences, c'est encore peu connu. Nous, on a aussi ce rôle-là, l'engagement Simone. On a le métier dont je vous parlais tout à l'heure de création et de mise en place de projets de mécénat de compétences. Après, on a une autre casquette qui est aussi tout le volet sensibilisation sur le mécénat de compétences, de faire connaître la pratique, de l'expliquer justement pour faire connaître au plus grand nombre, à plus d'entreprises, à plus aussi d'acteurs sociaux, voilà,
qui ne savent pas trop comment en bénéficier, comment ça se passe. Donc, on a aussi cette casquette-là de faire connaître la pratique et de montrer en fait l'impact que ça a et lever certains freins. Donc, c'est de là, en fait, de tous ces constats-là qu'est né ce livre blanc, cette volonté justement d'informer plus sur ce qu'est le mécénat de compétences, de montrer les impacts et en quoi l'engagement Simone, on dit toujours que c'est du gagnant-gagnant, mais justement là, l'objectif de ce livre blanc, c'est de le prouver en fait à travers 18 pages. Donc là, comment a été construit ce livre blanc ? Évidemment, dans le livre blanc, vous allez trouver des informations de fond sur le mécénat de compétences. C'est vrai que nous, l'objectif, c'était aussi de partager des retours d'expérience. Mais avant ça, il faut quand même poser aussi le contexte parce que voilà, pour réexpliquer ce qu'est le mécénat de compétences, l'histoire du mécénat, les différentes formes d'engagement, on va le voir par la suite, mais aussi l'objectif de ce livre blanc, c'est de montrer tout ce qui est possible de faire. C'est vrai que des fois, quand je rencontre des entreprises, des associations, ils me demandent des exemples en fait, de projets. Et c'est vrai que chaque projet est différent, totalement différent en fait. Parce que justement, on a le côté sur mesure où on s'adapte vraiment aux besoins et aux attentes. Donc, et sachant qu'entre telle entreprise et une autre, et idem au niveau associatif, tout est, à chaque fois, c'est différent. Donc, on a une multitude de projets qui sont possibles. Donc, là, l'objectif aussi de ce livre blanc, c'est de montrer les différentes formes d'engagement, ce qu'on peut faire, etc. Le livre blanc aussi pose le contexte en France au niveau fiscalité également le mécénat de compétences comme les autres mécénats comme la générosité du grand public permet de bénéficier des déductions fiscales justement pour inciter aussi à l'engagement. Et à travers le livre blanc aussi on restitue des chiffres clés qui sont études de différentes études, analyses, baromètres qui existent sur le mécénat de compétences. Pour l'information de fond. Et aussi, au travers le livre blanc, bien sûr, nous, notre objectif, c'est de partager notre expérience à l'engagement Simone. Donc on a procéder à des interviews auprès d'entreprises partenaires, auprès de structures sociales locales qui ont pu en bénéficier, partenaires également. Et le but, en fait, on a collecté leur retour d'expérience suite à des projets menés avec elles. Donc, l'objectif aussi, ça a été de collecter des témoignages de différents profils de participants ou de porteurs de projets. Donc, aussi bien le salarié que le responsable RSE qui va mettre en place le projet, le bénévole de l'association, le président de l'association, pour justement avoir une vision vraiment globale de l'impact des projets d'un point de vue humain. Là vous avez ces figures sur les remerciements du livre blanc, les différentes entreprises et associations qui ont participé à ce livre blanc. Donc en entreprise, on retrouve FM Logistique qui est un transporteur qui est une ETI, hein. Isolectra Martin, c'est un profil TPE, Bouygues Bâtiment Nord-Est, la Fondation Roquette, NeoWeb, c'est une agence digitale d'Aura Technologies, Kiloutou. Et dans les structures bénéficiaires, on a travaillé également avec Temps de Vie, qui est une association qui œuvre dans le champ du social, donc avec différents âges, des enfants, des familles précarisées, des personnes âgées dépendantes. Donc ils ont différents établissements qui accompagnent les publics dits fragiles.
une agence de consulting, Zelig, une agence de com-marketing, Adfinitas, Abeille Solidarité, qui est voilà, une association qui intervient sur l'île et la métropole pour lutter contre la grande exclusion. Le Home de l'enfance, qui est une association qui intervient dans le champ de l'enfance. La Sauvegarde du Nord, dans le champ du social. Et le Jardin Voyageur, plus sur le plan environnemental. Donc voilà, l'objectif aussi du livre blanc, on le voit là, enfin, à travers les noms que j'ai pu citer, c'est de montrer aussi que le mécénat de compétences est accessible à tous, dans le sens où là, vous voyez qu'il y a des entreprises de la grande entreprise plutôt, et il y a aussi des TPE, PME qui choisissent de proposer à leurs collaborateurs des projets de mécénat de compétences. Ce n'est pas réservé du tout qu'aux grandes entreprises. Donc là, justement, dans notre panel d'entreprises, de mécènes, voilà, l'objectif, c'était de montrer que voilà, il y a toute taille. Et idem au niveau associatif, on a des associations qui sont plus ou moins connues, avec différents impacts, différentes causes. Donc toujours dans l'objectif de montrer que voilà, c'est pareil, c'est pas réservé aux grosses associations, même les petites associations peuvent bénéficier de mécénat de compétences. Et donc, dans ce livre blanc, on restitue des témoignages, voilà, de ces différents acteurs-là qui ont participé à des projets. Et puis, on vous livre aussi des tendances chiffrées de nos missions. Donc, voilà, il y a des baromètres, des études qui ont été menées. Mais nous aussi, on mesure, ça fait partie de notre accompagnement également à l'engagement Simone, c'est-à-dire qu'on évalue chaque projet qu'on met en place, donc une évaluation qualitative, une évaluation quantitative que l'on restitue par la suite à l'entreprise et à l'association, voilà, pour le diffuser aussi en interne ou en externe, pour montrer l'impact de ce type de projet et diffuser aussi, voilà, les livrables, l'impact que ça a pu produire. Et nous aussi, on sort nos tendances et nos chiffres clés, justement, qu'on va pouvoir en découvrir quelques-uns là quand je vais vous parler on va rentrer plus concrètement dans le livre blanc. Donc voilà, bon, ça c'est la couve, hein, en route vers le mécénat de compétences. Donc l'engagement Simone, voilà, cette couverture, c'est un peu à notre image. Bon, il y a peut-être des personnes qui nous connaissent, dès qu'ils ne nous connaissent pas là, qui regardent ce webinaire. C'est vrai que nous, l'engagement Simone, on a un ton de com qui se veut aussi un peu décalé, léger, sympa, parce que c'est aussi notre ton de communication quand on prépare l'émission, qu'on mobilise des collaborateurs en entreprise, qu'on mobilise des bénévoles en association. Donc, c'est voilà, un ton aussi qui va des fois briser facilement la glace ou lever certains freins d'engagement, voilà, avec justement un ton un peu décalé, humoristique et qui attire aussi le regard voilà, du salarié et du bénévole et qui va peut-être l'inciter aussi à participer à un projet. Donc voilà, notre livre. Simone. Qui est Simone ? Donc, l'engagement Simone, en fait, pourquoi on s'appelle comme ça ? En fait, c'est un nom qui fait référence à d'illustres personnes engagées, donc des personnes qui ont marqué l'histoire par leur personnalité, par leur combat. Donc nous, on trouvait, voilà, pour nous, c'est un prénom qui est inspirant et ça véhicule aussi un certain dynamisme. On pense à l'expression populaire « en voiture Simone ». Donc, nous aussi, enfin, souvent, on parle de « prenons ensemble la route de l'engagement avec nos volontaires », etc. Et du coup, c'est logique avec ce « en voiture Simone ». Mais on est tous des Simones. C'est bien trouvé, en tout cas. C'est ce que je dis aux volontaires. Bah, souvent, en mission, moi, j'ai mon pull Simone, mais au final… voilà, sur la route du solidaire, voilà, tout le monde est Simone. Mais c'est rigolo parce que du coup, quand
quand souvent j'arrive en mission, même les salariés, en fait, il y a un cycle d'emails où des fois je les rencontre en entreprise pour leur parler des projets, etc., les mobiliser. Et c'est vrai que du coup, ils retiennent aussi Simone, ils m'appellent Simone, donc ça crée tout de suite de la proximité. Donc là, en route vers le mécénat de compétences. Donc, je ne vais pas revenir sur toutes les pages du livre blanc. Je vous laisserai les découvrir aussi par vous-même. Là, je vais revenir sur les points clés, on va dire, du livre blanc. Donc, déjà, c'est vrai que, comme je vous le disais, le livre blanc, ça a pour objectif aussi de poser le contexte, quoi. Donc, le mécénat de compétences, c'est quoi ? Donc, en fait, ça consiste à mettre à disposition une partie du temps de travail des salariés d'une entreprise au bénéfice de l'intérêt général. Donc, en fait, là, la ressource d'un projet de mécénat de compétences, ça va être les salariés d'entreprise. Donc, il y a deux types de mécénat de compétences. On va dire, c'est vrai que quand on entend mécénat de compétences, on pense tout de suite à la compétence métier. C'est vrai que des fois, il y a des entreprises qui disent, mais nous, on n'a pas trop de compétences, quoi. Pas en tout cas où on n'en a pas qui pourrait bénéficier, dont on pourrait faire bénéficier directement une association. Mais justement, le mécénat de compétences, en fait, la clé, en fait, c'est que ça se déroule sur le temps de travail du salarié. Mais on peut être du coup sur un projet totalement en lien avec les compétences métiers du collaborateur. Donc, par exemple, c'est... je parlais tout à l'heure de NeoWeb, c'est une agence digitale. Donc, cette agence digitale a mis à disposition ses compétences digitales au profit de l'association Abeille Solidarité qui devait refaire son site internet. Donc, on a travaillé avec eux sur la construction, toute l'arborescence du site avant de le refondre. Donc là, vraiment, on était sur une transmission, une mise à disposition de compétences. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle, nous, un mécénat de bras qui se dit... le terme américain-anglais existe, mais il n'est pas trop traduit et utilisé en France. Mais nous, on l'a traduit, le mécénat de bras, où là, en fait, en gros, c'est sur le temps de travail, le collaborateur va soutenir un projet d'intérêt général en apportant sa bonne volonté. Donc, ça peut être des activités, justement, c'est des activités, des actions non spécialisées. Donc, par exemple... là tout à l'heure je vous citais le cas de FM Logistique, donc un transporteur, donc avec plein de métiers au sein de l'entreprise, une volonté de décloisonner ses services au sein de FM Logistique. Donc là, vous voyez, quand je vous parle d'attente de l'entreprise, par exemple, FM Logistique, c'était une des attentes, c'était aussi de décloisonner, de se faire se rapprocher des métiers qui ne travaillent pas forcément ensemble et des plateformes qui ne travaillent pas forcément ensemble. Donc là, on s'est orienté naturellement vers un projet qui n'était pas directement lié à la compétence. On est intervenu au profit de l'association Le Home de l'Enfance, dans une maison d'enfants à caractère social. Donc, ce sont des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Et en fait, les jeunes avaient mis le souhait de construire une terrasse. Il y avait un endroit de leur grand jardin, de leur parc, qui n'était pas exploité, et ils voulaient faire une terrasse, construire du mobilier en palette, etc., pour en profiter l'été. Et c'est vrai que ça demandait quand même de la main-d'œuvre, hein, du temps, etc. L'agent technique n'avait pas forcément le temps de le faire, donc c'est vrai que nous, on a pu, avec des salariés des FM Logistique, en une journée, monter la terrasse, faire avec les jeunes, hein, parce que ça aussi, tout l'intérêt du mécénat de compétences, hein, on va le voir après dans les témoignages, mais c'est aussi d'aider, participer à l'intérêt général, mais aussi de rencontrer d'autres personnes, de participer avec l'association, participer avec des personnes qui sont accompagnées par l'association, participer avec les bénévoles, ça fait se rencontrer un peu de monde. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de ces projets d'un point de vue humain.
Et donc là, pendant une journée, les jeunes et les salariés FM Logistique ont travaillé ensemble. Et à la fin de la journée, voilà, il y avait la terrasse. Donc ça, c'est un exemple de mécénat de bras. Ce qui est commun aux deux types de mécénat, moi je l'ai déjà un peu dit, hein, c'est que c'est une aventure humaine entre l'entreprise, les collaborateurs et l'association. On vit vraiment quelque chose ensemble qui sort vraiment de notre quotidien. Lors de ces projets-là, en fait. Et ça permet aussi, voilà, le mécénat de compétences permet à l'entreprise donatrice de recevoir un reçu fiscal si elle en fait la demande, comme le mécénat financier, comme le mécénat en nature. Donc ça, c'est un des avantages à des leviers, mais qui n'est pas tant que ça, en fait, du mécénat de compétences. Nous, on travaille avec pas mal d'entreprises, en fait, qui proposent des projets d'engagement à leurs collaborateurs, mais qui, en retour, ne demandent pas à l'association de reçu fiscal. En fait, elles le font vraiment pour ce que ça va apporter d'autre que, justement, le reçu fiscal. Donc voilà, là à côté, on découvre à côté de cette présentation, on découvre voilà quelques premiers témoignages. Donc par exemple Perrine Leborn, chef de projet RSE chez Kiloutou. Pour moi, le mécénat de compétences est vraiment le moyen de rendre service à des associations, tout en permettant aux collaborateurs de s'épanouir de manière très concrète. Donc voilà. Et puis pour Florian Villette, président du Jardin Voyageur, le mécénat de compétences n'apporte pas que des compétences. Il y a cet aspect, bien sûr, d'apporter quelque chose de très tangible, que ce soit une compétence, un savoir-faire, une bonne volonté ou des bras, mais il y a surtout un grand apport humain qui bénéficie aux donneurs et aux receveurs. C'est ça, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que... Il y a le côté, on arrive pour apporter des solutions, aider une association sur un projet défini, mais en même temps, on bénéficie d'un apport humain. Bah, on donne en fait au cours de ces journées-là, de ces projets-là, on donne, mais on reçoit surtout. On reçoit surtout. Donc, voilà, l'objectif du livre blanc, quand vous l'aurez entre les mains, vous pourrez le lire, c'est de montrer aussi voilà, tous les bénéficiaires du mécénat de compétences. Ce n'est pas que l'entreprise, ce n'est pas que l'association. C'est vraiment on a déterminé 4 parties en fait, de bénéficiaires, les salariés, les associations et communautés locales, les clients et partenaires et l'entreprise. Donc on va découvrir tout ça. Donc, premier bénéficiaire, après, ce n'est pas forcément dans l'ordre. Hein. Ce n'est pas forcément le salarié qui est plus bénéficiaire. Je pense que chacun prend aussi ce qu'il a envie de recevoir, a besoin de recevoir. Mais globalement, oui, les projets de mécénat de compétences, c'est pour les salariés, voilà, des aventures humaines. Ça permet de rendre les collaborateurs fiers d'eux-mêmes et de leur entreprise. Donc là, on pourrait dire c'est aussi un bénéfice pour l'entreprise, on le verra après, en effet. En se basant sur des études, des baromètres, 2/3 des collaborateurs disent ressentir un sentiment d'appartenance plus fort envers l'entreprise à la suite d'une mission de mécénat de compétences, et 3/4 décrivent cette mission comme un moment charnière de leur relation avec l'entreprise. Donc ça, ces chiffres-là, c'est des chiffres issus d'études, mais que nous, moi je les confirme ces chiffres-là, c'est-à-dire que, comme je vous disais, on fait des évaluations quali-quanti suite aux missions. J'ai vraiment des salariés qui, suite à ces projets, disent « je suis fière de travailler dans ma boîte parce que notamment elle propose ce type d'action. » Après, souvent, les entreprises aussi, elles ne proposent pas toutes que du mécénat de compétences, elles proposent aussi d'autres projets d'engagement à leurs collaborateurs. Mais ça, ils sont contents ou fiers de travailler dans une boîte aussi qui leur permet de découvrir d'autres choses, qui leur donne cette opportunité de vivre justement une aventure humaine et engagée. Et c'est vrai que d'expérience aussi,
Donc, on travaille aussi, par exemple, avec Bouygues Énergie et Services. Donc, on avait un salarié qui avait participé à une mission de l'engagement Simone ou qui quittait l'entreprise. Et c'est vrai qu'apparemment, dans son mot de départ, voilà, à ses collègues, à son service, bon, il faisait un peu le bilan, voilà, de son expérience. Et il avait fait référence à une mission de l'engagement Simone, justement, c'était un super souvenir justement dans sa boîte parce qu'il avait vécu un moment vraiment différent aussi avec ses collègues. C'est ça aussi pour les salariés, ça permet aussi voilà, de sortir du quotidien. C'est vraiment une bouffée d'oxygène et parfois aussi ça permet de découvrir ses collègues dans un autre contexte, sans pression ou un peu comme dans l'entreprise, hein, on a un objectif commun, on doit atteindre nos objectifs, mais voilà, l'objectif, il est différent, il y a un impact social ou environnemental. Donc, nous, souvent dans nos, enfin, systématiquement d'ailleurs, dans nos questionnaires post-mission, on pose une question aux collaborateurs. Effectuer ce genre de mission te rend-il plus fier de ton entreprise? Et quand on a fait la moyenne sur une année, sur les collaborateurs qui ont participé à une mission de mécénat de compétences avec l'engagement Simone, on a obtenu la moyenne de 9 sur 10. Donc, clairement, oui, la mission de mécénat de compétences va épanouir le collaborateur professionnellement et personnellement. Et donc, ça développe la fierté pour son entreprise. Donc, pour les associations et communautés locales, on peut retrouver, en rapide, en effet, vous trouverez dans le livret blanc encore d'autres témoignages, d'autres chiffres, etc. Mais en gros, là, pour restituer le bénéfice pour l'association. Par exemple, ce témoignage de Florian Villette, président de l'association Jardin Voyageur. La collaboration avec l'entreprise est fructueuse, ça nous met du vent dans les voiles. Il y a à la fois ce qu'ils apportent avec leurs bras et tout ce qu'ils apportent avec leur cœur et leur envie. Quand ils arrivent, ils sont à la fois surmotivés et totalement dévoués à la cause associative. C'est ça, en fait, pour l'association, on a un objectif, on va l'atteindre. On se donne tous les moyens, de toute façon, pour les atteindre. Mais ce n'est pas que ça, en fait. C'est justement, souvent pour l'association, c'est vraiment un coup de boost, c'est-à-dire que l'association se dit « Ah oui, enfin, il y a une entreprise qui s'intéresse à moi, il y a des salariés qui sont intéressés par le combat qu'on aime. » Et puis souvent, on met des projets en place, on a des idées. Donc vraiment, ça instaure une bonne dynamique. Et même eux, hein, les associations, là, je parlais de cohésion d'équipe aussi, pour les salariés, de découvrir ses collègues, mener des projets entre eux différents. Mais c'est pareil côté associatif. En fait, quand les personnes bénéficiaires qui sont accompagnées par l'asso, les bénévoles participent à un projet, ça change aussi de leur quotidien. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du projet Homme de l'enfance, c'est un projet qu'on a fait avec les jeunes, mais aussi avec les éducateurs et les salariés des FEM Logistique. Donc même là, l'éducateur, il a mené un projet avec le jeune qui était différent du projet pédagogique ou autre habituel, en fait. Donc, souvent, c'est des projets qui reboostent. Il y a beaucoup de bienveillance aussi. Donc, forcément, quand les associations amènent un combat, ça fait toujours, ça donne beaucoup d'énergie, en fait, positive. Donc, c'est vrai que même d'un point de vue humain ou sur le moral ou sur le projet associatif, ça redonne une dynamique. Donc, c'est une question aussi qu'on pose. À la fin de nos projets, comme je vous disais, il y a un questionnaire spécifique pour l'entreprise, pour le porteur de projet d'entreprise, pour le salarié, pour l'association. Et la question, as-tu le sentiment que l'entreprise ait été utile à l'association? Bon, on obtient une note moyenne. Encore une fois, c'est sur un an de questionnaire. Donc, évidemment, l'objectif, nous, ce n'est pas du tout truqué. Hein, c'est vraiment les chiffres qu'on ressort de toutes nos évaluations. On est à une moyenne de 9,9 sur 10. Donc, et puis, on a une question aussi dans le...
dans le questionnaire, voilà, aux associations, serais-tu prêt à renouveler l'expérience? Pareil, en fait, on est sur la même note. C'est vrai que pour elles, ça leur permet d'atteindre des objectifs. Et en même temps, aussi de sensibiliser aussi d'autres personnes à leur cause, d'autres personnes et d'autres acteurs, donc de sensibiliser l'entreprise, les salariés de l'entreprise qui vont y participer, et même tout l'environnement de l'entreprise, parce qu'après, c'est des projets, voilà, sur lesquels on communique en interne et en externe. Les clients, pour les clients et les partenaires aussi de l'entreprise, ça, c'est un plus. Le mécénat de compétences permet de témoigner d'un engagement sociétal et humain auprès des clients et partenaires de l'entreprise, ou ça peut l'être aussi de l'association. Hein. C'est vrai que même les associations, évidemment, communiquent sur ce type de projet et autour de leur, des parties prenantes, et ça a un effet aussi bénéfique. Mais à la question, justement, par rapport à ce sujet, il y a 9 Français sur 10 qui considèrent que les entreprises doivent davantage contribuer au bien-être de leurs collaborateurs ainsi qu'au bien-être collectif, tout en agissant pour les territoires dans lesquels elles sont implantées. En effet, enfin, les entreprises, je pense qu'elles se rendent de plus en plus compte qu'elles ne peuvent pas ou qu'elles ne veulent pas avoir qu'une dimension économique sur leur territoire. Elles ont envie aussi d'avoir une dimension sociale, environnementale, et de plus en plus, voilà, il y a des retours d'expérience qui montrent justement, quand je vous parlais tout à l'heure, pour nous, le salarié engagé, un salarié engagé, c'est le ciment d'une entreprise durable, effectivement. Et il y a plein de témoignages d'entreprises qui vont dans ce sens. Donc là, un témoignage, par exemple, on a travaillé avec une agence de consultants, oui, Zélie Consultant, donc Lucie Olivier, qui était le porteur de projet au sein de l'entreprise, qui nous dit qu'en fait, elle, ce n'était pas, évidemment pas l'objectif principal de l'engagement, de communiquer auprès de leurs clients, des parties prenantes, mais que voilà, c'est un plus. Et que c'est vrai que maintenant, il y a des clients qui demandent justement que fait l'entreprise au niveau de la RSE, quels sont ses engagements. Donc, c'est des choses qu'on demande de plus en plus, même quand on répond à des appels d'offres, etc. Donc, et le mécénat de compétences permet d'agir à l'entreprise aussi, d'agir sur son territoire. Et du coup, le mécénat de compétences pour l'entreprise, donc les bénéfices pour l'entreprise, encore une fois, sont assez nombreux. Je vous invite vraiment à télécharger le livre blanc pour les découvrir. Et encore, même dans le livre blanc, on a listé pour nous les principaux bénéfices, même qu'on constate sur le terrain, mais il y en a encore d'autres. Mais on sait que pour l'entreprise, le mécénat de compétences, ça permet notamment de fidéliser les collaborateurs et attirer les nouveaux talents en quête de sens. Donc ça, pareil, je pense que je ne vous apprends rien. On en parle de plus en plus de l'enjeu de fidéliser ses talents, de recruter des nouveaux talents. Et on sait que les générations sont de plus en plus sensibles justement à l'engagement de l'entreprise dans laquelle elles vont travailler. 82% des jeunes issus de la génération Y se disent prêts à choisir leur entreprise en fonction de l'engagement sociétal de celle-ci. Donc, la moitié de cette génération n'envisage aucune collaboration avec des entreprises qui ne sont pas en accord avec leurs valeurs. Donc, effectivement, et ça rejoint une interview qu'on a menée avec Anne Lambin, directrice de la Fondation Roquette, qui, en effet, nous témoigne. Au niveau de l'entreprise, quand on discute avec les équipes RH, elles se rendent compte que c'est aussi un moyen de fidéliser les collaborateurs, de donner du sens à ce qu'ils font et les sortir de leur quotidien. Ça devient même un levier supplémentaire quand on veut garder ses talents des collaborateurs. Ça rejoint un peu c'est logique aussi avec, quand on parlait tout à l'heure du bénéfice retiré par le salarié, de l'épanouissement perso-pro, ça rejoint en fait ce bénéfice-là, mais qui a un vrai plus. On sait que pour une entreprise, recruter, le turnover, ça
ça coûte à l'entreprise. Enfin, ils ont intérêt, en effet, aussi à garder leurs collaborateurs. C'est pour ça aussi qu'on parle de bien-être au travail aussi de plus en plus, déjà pour au niveau social même. L'engagement social d'une entreprise, c'est aussi celle-là, hein, c'est que son salarié soit heureux, heureux dans l'entreprise, de venir travailler, mais aussi voilà, qu'il y reste, quoi, qu'il soit fidèle. Et voilà, et un autre impact positif pour l'entreprise qui est le mécénat de compétences, c'est que ça permet aussi de renforcer son réseau, son capital social dans le bassin d'activité où l'entreprise est implantée. C'est vrai que l'ancrage local est aussi important, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les entreprises se rendent compte que voilà, c'est plus seulement que la dimension économique qui importe. Et justement, chez FM Logistique, ils cherchent à ce que les plateformes ne soient pas hors sol. Ils veulent avoir un impact positif sur l'endroit où ils interviennent, en fait. Donc voilà, le mécénat de compétences permet aussi de répondre à cet enjeu pour l'entreprise. Donc voilà, j'ai parlé des différents bénéficiaires. Après, dans l'histoire, il y a aussi nous, l'engagement Simone. Alors nous, on est une structure d'intermédiation. Alors du coup, c'est un bénéfice aussi, hein, pour nous, ce type de projet. C'est vrai que nous aussi, on en profite en fait de ce, quand je vous parle d'énergie positive, d'aventure humaine et engagée, nous, on a la chance à l'engagement Simone de le vivre au quotidien. Donc, on est un autre acteur des projets de mécénat de compétences. Après, il y a des entreprises, des associations qui ne travaillent pas avec des intermédiaires comme l'engagement Simone, qui eux-mêmes montent des projets de mécénat de compétences. Nous, on est une structure intermédiaire justement pour faciliter l'engagement des entreprises et des associations qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas les compétences, pas le réseau pour mettre en place ce type de projet. Donc, c'est dans ces cas-là qu'en fait, qu'elles font appel à nous. Mais évidemment, il y a des acteurs qui le font par eux-mêmes. Donc, nous, notre job en tant qu'intermédiaire, voilà, je reprends vite fait, hein, on est là, voilà, pour synchroniser, pour fédérer, pour développer, pour mesurer les projets. Donc voilà, et puis là, un petit retour de Florence Théron, directrice de l'établissement Home de l'enfance dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on la questionne justement sur ce que lui apporte la structure d'intermédiation, l'intermédiaire permet de définir la mission ainsi que la place et le rôle de chacun. Au-delà, c'est aussi un point d'ancrage de chaque côté tout au long du projet. L'engagement Simone gère l'organisation, l'animation et nous donne des supports de communication par la suite. Sans intermédiaire, c'est compliqué. Il faut quelqu'un qui pilote cette mission. C'est le rôle de l'engagement Simone. C'est vrai que pour qu'une mission de mécénat de compétences soit réussie, voilà, il y a des étapes en fait à mener, à respecter, pour que ce soit vraiment du gagnant-gagnant. Voilà, c'est des projets en effet qui sont préparés en amont, où il doit y avoir le suivi d'un chef de projet, enfin si on peut dire, ou quelqu'un qui justement, comme l'engagement Simone en fait, qui va mobiliser, maintenir l'engagement, rappeler les objectifs, les plannings, parce que bien sûr, quand on se lance dans un projet de mécénat de compétences, faut atteindre les objectifs. Il y a des attentes côté associatif, il y a des attentes côté entreprise et salariés. C'est de la frustration pour un salarié s'il n'atteint pas les objectifs, et idem pour l'association. Donc voilà, nous vraiment, l'objectif c'est que tout soit calé pour justement que tout le monde en ressorte épanoui. Donc voilà pour la présentation rapide du livre blanc. C'est vrai que le but, c'était pas faire trop long, pas revenir sur tous les éléments du livre blanc, mais voilà les principaux faits et tendances voilà, qu'on souhaite diffuser avec ce support. On a quelques questions, Anne-Élodie. Oui. Donc, quel est le business model et le statut juridique? Alors, de l'engagement Simone, du coup,
Oui, bah, c'est ce que je vous disais en début de présentation, c'est que nous, l'engagement Simone, c'est à le statut d'entreprise. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et le modèle économique, en fait, ce sont les entreprises qui financent la prestation de l'engagement Simone. Donc, la prestation, en fait, va dépendre de l'accompagnement qu'on nous demande. Comme je vous disais, on travaille beaucoup sur du sur-mesure, c'est-à-dire que toutes les associations, toutes les entreprises n'ont pas besoin du même accompagnement. Elles ont toutes des attentes aussi différentes, c'est-à-dire que, voilà, des fois, on est sur des programmes d'engagement dans plusieurs villes de France ou une zone déterminée, parfois avec, 10 collaborateurs, parfois 30. Donc voilà, nous, en fonction, entre guillemets, des attentes, voilà, on calibre les projets et en fonction, il y a une prestation qui est communiquée par l'engagement Simone. Alors, autre question, mais tu as déjà en partie répondu. Est-ce que ça demande du temps complémentaire pour les collaborateurs d'une entreprise? Si oui, combien de temps doit être dégagé par les deux parties prenantes pour que ça fonctionne et quel budget? C'est plusieurs questions en une. Ouais. Après, normalement, enfin, quand il y a de l'intermédiation, là, je parle aussi parce que voilà, je parle de mon cas parce que c'est celui que je connais. Mais du coup, enfin, le but de la structure d'intermédiation, c'est que ça prenne pas de temps, en fait, justement, aux collaborateurs de l'entreprise et le moins possible à l'association. Donc, le temps que moi je passe, enfin, au niveau de l'entreprise. Ça, après, ça dépend aussi le niveau d'implication que souhaite l'entreprise. Il y a des entreprises, voilà, on leur donne des objectifs. Soit elles vont nous dire, bah, je peux pas aller jusque-là ou je peux aller plus loin. Donc des fois, il y a parfois sur certains projets, il y a les salariés qui vont travailler aussi en dehors du temps où on est en association. Donc ils vont travailler pendant leur temps de travail sur le projet. Mais ça, c'est des choses qu'on calibre justement en amont, pour pas qu'il y ait, entre guillemets, de mauvaises surprises. Donc, normalement, ça ne demande pas de temps en plus de la mission, hein, aux salariés ou à l'association. Et au niveau du format, si c'est ça aussi peut-être la question, on est sur des formats très, très différents, en fait, d'engagement. On peut être sur des formats d'engagement ponctuels, par exemple, une journée. Et puis, des fois, on est sur des formats de projets qui vont durer plusieurs mois sur des sessions de demi-journée ou de quelques heures. Justement, c'est ça un peu aussi le rôle de l'engagement Simone. C'est en fonction du cadre de trouver, proposer des projets qui matchent aussi avec ce cadre-là. Mais ça, c'est un peu, souvent, c'est l'entreprise qui va dire voilà combien de temps elle va mettre à disposition ses salariés. Donc par exemple, au travail avec Kiloutou, c'est le collaborateur peut une journée dans l'année participer à un projet de mécénat de compétences. Et le budget s'évalue en fonction du temps qu'il faut pour... Alors, le budget, c'est-à-dire la prestation de l'engagement Simone, oui, ça va dépendre du projet, combien de temps nous on passe dessus pour le monter. Après, il y a le côté budget aussi pour l'entreprise, parce que en fait, l'entreprise, quand le salarié est en l'association, il est payé quand même par l'entreprise, alors qu'il n'est pas. Il n'est pas sur son lieu de travail et il n'est pas en train de remplir ses objectifs professionnels. Donc, dans le calcul aussi de l'entreprise, il y a cette partie coût-là, sachant que là, sur cette partie-là, ce temps salarié payé par l'entreprise est mis à disposition d'une association. Sur ce temps-là, l'entreprise, si elle le souhaite, peut bénéficier d'un reçu fiscal. Autre question, concernant le mécénat technique, quels sont les engagements demandés aux entreprises? Par exemple, l'entreprise peut-elle arrêter à tout moment? Franchement, moi, je n'ai jamais connu, après la convention de mécénat de compétences, le mécénat de compétences, nous, on conventionne. Donc, voilà, pour vraiment qu'il y ait un cadre, enfin, il y a un cadre juridique au mécénat de compétences.
Et évidemment que ça peut arriver, je ne sais pas, enfin ça c'est dans le contrat aussi qu'on rédige hein, en amont, mais c'est vrai que bah, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que le projet aboutisse. Après, nous, on est là justement aussi. Si c'est le projet n'aboutit pas parce qu'au final, on se rend compte qu'on n'a pas les compétences ou qu'on ne sait pas atteint les objectifs, j'ai envie de dire ça n'arrive pas parce que justement, nous, on est là en amont pour bien valider que les compétences métiers du collaborateur vont permettre à l'asso d'atteindre ses objectifs. Donc, encore une fois, ça, c'est tout le travail du calibrage en amont. Voilà, si on est sur du mécénat technique, nous, on parle des métiers, on parle des compétences avec l'entreprise en amont pour les identifier et pour être sûr que... Et on parle du besoin de l'association pour être sûr que, justement, les objectifs sont atteignables. Une autre question qui demande si les PME sont facilement mobilisables. Oui, bah les PME, en fait, après, ce qu'il y a, c'est que les PME, ils ont d'autres, ils ont certains freins liés à leur activité aussi. Donc nous, on a travaillé, on a des projets avec des PME. Donc oui, elles sont mobilisables, mais c'est vrai que bon, des fois décharger des salariés de l'activité professionnelle d'une PME pendant une journée, ça peut être un peu plus compliqué. Mais en effet, après, souvent ce qu'on constate aussi avec les PME, c'est que souvent, c'est le dirigeant de l'entreprise, la PME, qui est le porteur de projet et voilà, qui est souvent aussi une personne engagée, qui a des valeurs et qui souhaite transmettre ces valeurs-là à ses salariés et du coup, qui va porter de lui-même en fait le projet, mais par cœur en fait. Donc oui, elles sont mobilisables et justement. Nous, c'est notre discours aussi à l'engagement Simone, c'est que tout le monde peut se mobiliser, mais même quel que soit son métier. Des fois, nous rencontrons justement des PME, on a travaillé, je vous parlais tout à l'heure, je vous citais Isolectra Martin. Voilà, ils font ils fabriquent des composants pour l'aéronautique. Enfin, c'est un métier quand même hyper, hyper technique. Et puis, c'est vrai qu'au début, ils me disaient, mais bah, qu'est-ce qu'on va faire quoi, pour une asso? Et du coup, c'est vrai qu'on bah, a réfléchi ensemble aussi à ce qu'ils voulaient faire, qui avait du sens pour eux, même s'ils ne mettaient pas à disposition leurs compétences. Il y a plein de projets qui peuvent faire sens quand même avec le métier de l'entreprise ou son territoire. Donc, on a trouvé voilà, un projet qui avait du sens pour les collaborateurs et l'entreprise. Il y a encore des questions. Comment adapter ce type de mécénat dans le contexte actuel, les bénéfices humains étant pas mal mis à mal? Ah bah ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr que bah là, je vous ai parlé voilà, de quelques exemples qui sont passés hors période Covid. Après, comme tout le monde, bah, on s'adapte au contexte actuel. Par exemple, en ce moment, on a un projet avec l'entreprise Lireco, soutenu par Valenciennes Métropole, au profit d'une structure d'insertion qui s'appelle le CAPEP à Valenciennes. Eh ben, on s'adapte, c'est-à-dire que on a un volet atelier de communication autour d'un projet ferme urbaine. Normalement, on aurait passé toute la journée dans la ferme urbaine, on aurait fait la visite, on aurait fait le brainstorming, etc. Ça, voilà, c'est super sympa en plus parce que souvent on est dans un contexte hors entreprise, vraiment des fois, souvent inspirant. Ben là, on n'a pas pu le faire. Donc, on a fait la visite de la ferme urbaine parce que c'était en extérieur. Par contre, on s'est retrouvés en visio après pour brainstormer. Ou par exemple, pareil, on a des ateliers RH, toujours avec cette même entreprise et cette même association. Ou pareil, on devait faire des ateliers RH pour des salariés en parcours. On devait être 50. Ben, on fractionne les ateliers pour qu'il y ait moins de personnes, moins de flux, pour conserver de l'humain. Mais voilà, l'humain se fait en nombre restreint. Donc, et évidemment, il y a des projets qui ne sont pas du tout faisables dans le contexte actuel. Voilà, je vous parlais tout à l'heure, voilà, des fois, on a des projets avec des personnes âgées, etc. Enfin, même des projets, des fois, de rénovation.
D'établissements sociaux, c'est vrai que là, avec quand on est sur des projets de rénovation, il y a vachement de mouvements et tout, on peut pas le faire. Alors que je reçois beaucoup de demandes d'associations avec des besoins, des envies. Mais c'est vrai que là, pour certains projets, en tout cas, eh ben, on attend. Comment se passe la prise de contact avec les entreprises et les associations et projets soutenus? Alors, il y a des entreprises et des associations, voilà, qui par le biais, comme là, de ce webinaire, bah, nous contactent ou voilà, on fait pas mal de communication. Donc, il y a des entreprises et associations qui viennent vers nous. Après, nous aussi, on prospecte, c'est-à-dire on prospecte évidemment l'entreprise parce que bah, c'est notre modèle économique et c'est notre ressource humaine. Hein. Nous, c'est les salariés qui vont dans l'association aider sur des projets associatifs. Donc, on prospecte, on a une démarche prospective des entreprises et idem pour les associations. C'est vrai que des fois, quand on identifie avec une entreprise des attentes sur une cause, sur un projet, une compétence, bah, nous, on va aller démarcher des associations. Pour leur dire, voilà, on est en contact avec une entreprise, est-ce que vous connaissez mes CNET compétences, est-ce que ça vous intéresse? Après, donc voilà, il y a un peu les deux, sachant que voilà, si là, enfin nous, sur notre site internet, et pas que, ne se veut pas que informatif, il y a le livre blanc, du contenu à télécharger, il y a évidemment une boîte contact, donc où là, voilà, les assos, les entreprises peuvent prendre contact avec nous et nous poser toutes leurs questions et on revient vers eux. Dernier volet concernant l'implantation géographique de l'engagement Simone. Si tu vas dans le Puy-de-Dôme, tu as une invitation. Est-ce que ton entreprise est appelée à s'étendre? Est-ce qu'elle est, elle est peut-être déjà présente ailleurs en France et est-ce que tu recrutes? Ce sera les dernières questions. Oui. Oui, 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 j'ai envie de dire oui à tout. Non, mais en fait, là, l'engagement Simone, voilà, on est en phase de développement. Bon, l'année 2020 a été particulière pour tout le monde, y compris pour nous. Avant ça, voilà, par exemple, pour plusieurs entreprises, on travaille nationalement, c'est-à-dire que c'est vrai, dans la logique, hein, les entreprises qui sont implantées au national souhaitent proposer des projets d'engagement de leurs collaborateurs partout en France. Donc, nous, on propose des programmes d'engagement partout en France. Par exemple, avec Bouygues Bâtiment Nord-Est, on a proposé des projets aussi dans l'Est, avec Decathlon, on a travaillé à Paris. Donc, on n'est pas mobile que Hauts-de-France. Après, aujourd'hui, nous, entre guillemets, notre bureau, il est à la Madeleine, mais on est mobile. On se déplace et avec cette volonté, oui, d'essaimer et d'être présent là où il y a des besoins. Ok. Donc, et est-ce qu'on recrute? Est-ce qu'on recrute? Pour dans les puits de Dôme. Bon, c'était les dernières questions. Les personnes te remercient, moi aussi d'ailleurs. C'était très intéressant. Bah, merci à vous et bah, c'était un plaisir. J'adore parler voilà, de ce qu'on fait parce que pour le vivre, comme je vous le disais, c'est très, très épanouissant. Et puis voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à voilà, télécharger le livre blanc et pas hésiter voilà, à me poser des questions si, par la suite. Si besoin. Merci beaucoup, Annie. Merci à vous. Merci à tous et à bientôt. À bientôt, plaisir.